trop mignon. Qu'est-ce qui est trop mignon? Oh, j'aime bien comment t'es coiffé là, je suis trop mignon ce soir. T'as vu, ouais. Hein. Mais et les autres jours, donc je ressemble à rien. T'es même été beau, mais là ce soir un peu plus. Il y a des jours où on est tous mieux que d'autres. Ça fait 3 semaines que je dis, il faut qu'il a pris une. Voilà, il a pris une visage. Tu as vu peu, ouais. T'as pas grossi. Non, même il a pris une maturité, une prestance. Elle a halluciné. J'ai jamais fait le sang. C'est cool. Chaque fois qu'on a une pause, on bouffe. C'est bien. Bien. Mais pour moi, c'est bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est bien. Bien. Tu peux leur faire un trajet? Le trajet de bise. Attention, Valérie. Il veut pas que je lui fasse un bisou, c'est quand même fou. Laisse-toi tranquille. Non, je peux pas. Comme tu l'auras envie, tu te laisseras ou il te fera un bisou. Pendant 2 jours, il m'a pas questionné. Il m'a bisou pas par fait jour. Bisou. Mais là, c'est. Ah là là. Je sais que j'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Tu ferais pas des chansons, toi? Tu serais pas chanteur? Et moi, j'essaye. De l'être. Alors, qu'est-ce que je balise pour demain? Oh là là. Je chante au début de l'émission. Ah bon? Après le top 5. Bah, t'es premier. Non, pas forcément. Mais si. Pas forcément. Parce qu'on a quelqu'un qui l'a été 4 fois, tu vois. Ouais, l'habitude. À chaque fois, c'est après le top 5. Je vais commencer les marches. Puis je descends. Après, je m'arrête devant le retour, mm-hmm. sur la scène, et je descends un peu par les escaliers de la fosse, dans la fosse. Ah bon? Les cris des SOS dans la fosse? Le SOS intérieur de stress. Ouais. Pas dedans, la fosse. En fait, ils ont installé un des escaliers qui descend un peu, qui s'arrête à mi-hauteur, tu vois. J'ai rarement chanté une chanson aussi dure. Si belle. Parce que tu sais, le problème de moi, c'est que je chante rarement en voix de tête. Parce que tu sais, avec les mucosités et tout ça, c'est dur, quoi. Je peux le faire, mais tu sais, c'est fait. C'est pas aussi clair que la voix de tête à Soso, tu vois. On s'en fout, pour le coup. L'important, c'est que tu sois juste et que Ah mais des fois, tu sais, dans ces moments-là, à cause de ça, des fois, il y a des moments, des trucs que tu peux pas gérer. Même ça sort, c'est indépendant de toi, quoi. Des fois, ça peut me sortir un son sur deux. Mais non. Et comment tu l'as senti à la répète, là? Bien. Le premier passage, je suis pas arrivé dans les graves. Mmh. Il faut que je sois hyper concentré, mais hyper concentré demain. Pour rechoper, parce que tu sais, quand tu passes dans tout en haut, tu dois redescendre. Tu fais les 2 octaves et demi, mais en un coup, quoi. C'est non. Bon. Tu vois, et après tu fais. Ils te l'ont monté. Ils l'ont baissé. Un demi-ton, ils m'ont monté. C'est mon bébé d'amour chéri, sa chanson de prédilection, et il tue avec, il déchire. Et quand je te dis qu'il la déchire, c'est qu'il la tue, tu n'as pas droit à l'erreur demain. J'ai déjà passé le stress. J'aimerais trop l'entendre chanter, mais s'il fait celle-là, c'est qu'il doit chanter divinement bien. Je te dis qu'il chante divinement bien, je ne sais même pas. Pourquoi il n'a pas fait Starac, il est trop vieux. L'année prochaine, il y a Starac des vétérans, c'est lui qui dit ça. Oh putain, oui, alors là, j'ai vraiment pas le droit, oh là là. Oui, son avis va m'être très important, alors. Oui, Michael, Jasmine et tout, ils m'ont demandé, et puis parce que, de toute façon, je voulais la faire comme ça. La faire un peu en. Bah, vraiment en émotion, quoi. En quoi? En émotion. Bah, oui, mais je pense qu'il faut. Pas en l'envoyant, tu sais. Tu la fasses beaucoup plus douce au départ. Bah, elle était douce tout à l'heure. Hein. Ce qui est cool, c'est que ça changera aussi. Je vais faire ma version. Tu
que voilà, tu fais la version. Mais tu sais, c'est quelque chose que je pouvais pas faire avant. Inconsciemment, tu sais, quand on reprenait les chansons, quand on faisait des spectacles et tout, je reprenais pratiquement la même version. La même version que l'original. Évidemment. C'est la même façon de chanter, la même façon de respirer, tout ça. Il faut pas. Hein. Tandis que là, comme je disais à Soso tout à l'heure, indirectement, on est tellement tous différents un peu, tu sais, on a tellement notre style qu'on s'imprègne un peu des inconsciemment, tu vois. Inconsciemment, maintenant, on peut encore plus. Est-ce que je peux avoir du pain, s'il te plaît? Pas que non, je prends du pain complet. Ça fait mal aux yeux, hein, c'est. Là, je m'inquiète, ma voix est fatiguée. Justement, il faut que tu dormes, on en parlait tout à l'heure, il faut que tu dormes. Ouais. Couche-toi très tôt ce soir. Hein? Je te prête le réveil, enfin, tu l'as encore, je crois déjà. Je vais te le régler plutôt. Et tu dors. Ok? T'amuses pas à faire un castafiore dans ta chambre l'autre soir, je t'ai un tabou. C'est quand même ce soir ou l'autre jour? Qu'est-ce qu'il faisait? SOS? Ouais. Chanter dans ta chambre, je pense. Attention. Tu fatigues pas quoi? Pensais que tu ranges un peu. Dis-moi, donc le réveil, je te le règle. Je sais pas à quelle heure tu passes, tu viens de là. Je sais pas, en fait, dans ma tête, je t'explique comment que ça se passe. Il y a quand même une petite forme d'intelligence qui ça, fait je que passe. J'arrive à comprendre le système de la réveil pour régler l'alarme. C'est toi qui m'as demandé de venir pour le régler la dernière fois. Hein. C'était la première fois. J'ai pas suivi le reste, c'est pour ça que je suis un petit peu à la ramasse. Ouais. Donc tu te dis en fait que j'étais incapable de régler l'alarme d'un réveil. Exactement. T'as dormi jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Vous avez dormi jusqu'à quelle heure en fait? J'ai dormi jusqu'à 11h. Jusqu'à 10h parce qu'ils nous ont réveillé. Brigitte, super, la réflexologue, on a fait les massages avec Mathieu. La réflexologue? Je veux pas de la relax. Oui, relaxation. Réflexologue. Ah. La réflexologie. C'est super bien. Ce qui m'importe, c'est qu'elle me donne la date et l'heure. Je te le dis. Ouais. T'oublies pas. En même temps, c'est pas toi qui me donne la date et l'heure. Écoute, il fatigue ma montre. Je trouve quelque chose à dire. C'est la montre qu'on nous a donnée. Ils sont belles. Tu connais la phrase favorite du Petit Prince, Saint-Exupéry? Je te l'ai déjà dit, toi. Vas-y. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je la trouve tellement vraie, cette phrase. C'est toi qui avais écrit le message pour Soso tout à l'heure. Tu m'énerves. Non, arrête. C'est Francesca. Mais ça, c'est Sofiane. Qui lui répond? Francesca, c'est la plus belle des mamans. Quel mytho! C'est une pièce après ma mère, bien sûr. C'est une belle maman. De là, la plus belle. Et ma maman aussi, merde. Bah, après, je sais pas, moi. Moi, je le dis même pas parce que. Forcément, c'est la plus belle, la meilleure. Celle qui est la plus gentille, la plus belle, qui fait le meilleur des mangers. Qui est le mieux tout, qui crie le plus fort. Et tout ça, quoi. Tu veux que tu fasses un résumé de la mienne? On va tous se disputer pour nos mères, c'est vrai. Ma maman, elle est toute petite, elle fait 1m55. Même pour ça, elle est bien. Concentré de bonheur, ma maman. Ah, c'est un concentré de bonheur? Ouais. Et toi, t'es un concentré de conneries.
Elle était facile. Mais au moins, je savais qu'elle allait sortir j'ai avant. J'ai pas la connerie tout en longueur comme toi. T'aurais pu l'avoir en longueur qu'en largeur. Oh bon. Ça va le gagnant? Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Oh, j'adore. Je donnerais ma vie pour avoir cette tête. Ah ouais, bah putain. Pardon, pour pouvoir voir ça. Tu tiens vachement ta vie, toi. C'est une des choses les plus importantes que ce que tu viens de dire pour donner sa vie. Bien évidemment, c'était disproportionné, c'était sûr. Bref. J'arrive plus à parler tellement je suis fatiguée. Ok, Porcine, t'as raison. Il a vraiment bien trouvé Harlem. Porcine? Ah ouais, ah ouais, franchement. Comme ça, ouais. C'est clair. Ok, t'es sûr? T'es sûr que t'as ta raison avec, de jouer avec cette fille? Ça, c'est son truc. Non, non. Pataboum, 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 bébé. Il m'a fait mourir de rire la première fois qu'il m'a fait ça. C'est Milo. Milo. Ah oui. Milo. Milo. Tu te rappelles quand j'ai fait les chupitas? Oui. Autour du piano. Comment c'était? Ma yo quiero. Mamma, io quiero mamma, da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebe la otura. Comment je fais pour me rappeler des paroles? Je n'ai même pas appris cette chanson. J'ai de la peinture qui n'arrive pas à partir. Ça s'est incrusté sous moi, la peau. C'est pareil, entre les ongles et tout. J'ai trouvé la solution. Ah. Mais du vernis. Ouais, c'est toujours pas parti non plus. Si, sur les côtés, ça aide parce que tu prends du dissolvant, ça fait une substance qui te fait partir.